Vous êtes ces héros. 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 En 2005, lorsque nous avons lancé le département multimédia des ministères ACER, nous avions déjà la vision d'une chaîne de télévision. Et depuis lors, des années sont passées, nous avons travaillé pour que cette vision puisse voir le jour. Nous arrivons à une étape extrêmement importante de la vision Évangile TV. Les dernières années, nous avons constitué une équipe dynamique qui travaille régulièrement pour la production des contenus que vous voyez et que vous découvrez très souvent sur notre chaîne YouTube. Nous allons passer à une étape suivante, une étape extrêmement importante que nous vous avons déjà annoncée il y a des mois de cela. Nous allons petit à petit, mais nous allons y arriver. Et bien cette étape, c'est celle de mettre Évangile TV sur au minimum 2 boxes françaises et sur Canal Plus et Canal Sat. C'est une étape extrêmement importante qui fera que nous puissions toucher des millions de personnes et des millions de foyers. Grâce à vous, nous allons y arriver. Pour parvenir à accomplir cette mission, nous avons besoin des donateurs pour 100 000 euros pour cette première étape extrêmement importante. Nous avons besoin de vous et nous avons besoin de votre soutien. Rejoignez-nous dans cette étape nouvelle qui va amener Évangile TV dans une autre ère, dans une autre dimension, une dimension d'impact. Évangile TV est une chaîne vraiment exceptionnelle pour pouvoir grandir rapidement avec le Seigneur. Évangile TV me bénit, me restaure, m'édifie, m'encourage et m'enrichit. Évangile TV est l'un des moyens pour moi de recevoir des clés, des enseignements qu'on n'aura pas forcément lors des cultes. Nous sommes encouragés par vos témoignages. Nous voyons que vous êtes bénis au travers de cette chaîne de télé. Et c'est pour cela qu'elle doit être maintenant déployée. C'est le moment, ici et maintenant. Nous faisons face à une double réalité. En effet, la télévision demande beaucoup de moyens pour passer à l'ère du satellite et de la boxe. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de héros. Et on est dans la foi qu'Évangile TV est en train d'aller dans cette nouvelle ère pour que le nom de Jésus puisse être entendu dans le monde entier. Vous pouvez nous soutenir par un don, quel qu'il soit, 50, 100, 1000 euros, et être dans la foi qu'Évangile TV va traverser les frontières. Envisager un déploiement d'une telle envergure engage une qualité supérieure et des équipements adaptés aux standards de la télévision. Des lumières adéquates, des décors flambant neufs, afin d'offrir un panel de programmes adapté à tous et de très haute qualité. Évangile TV est une vision pour toucher le monde. Vous savez, Évangile TV a été créé dans le but de ramener la foi dans les foyers, ramener la parole dans les foyers directement chez vous. Donc je pense que c'est une vision qui mérite d'être soutenue, une vision qui, je pense, va changer beaucoup de vies, transformer beaucoup de personnes. Vous savez, notre but, c'est vraiment de faciliter la propagation de l'Évangile. Et je pense que tous ceux qui regarderont les émissions d'Évangile TV seront forcément touchés, changés et transformés. Personnellement, je suis engagé entièrement à Évangile TV, même en tant qu'intervenant, parce que je sais que c'est une vision que le Seigneur a mandatée. Et je pense que beaucoup de personnes seront touchées par ce message. En tant que technicien à Évangile TV, ce qui m'a convaincu d'adopter cette vision et de pouvoir m'y greffer, c'est vraiment l'opportunité au travers de ce média de pouvoir toucher un maximum de personnes aux extrémités de la terre, pouvoir toucher et apporter la bonne nouvelle dans différents foyers et pouvoir guérir différents cœurs. Et c'est pourquoi il est vraiment important pour nous de pouvoir rejoindre très rapidement les différentes plateformes de diffusion pour apporter cette bonne nouvelle-là à toute la terre, vraiment toute la terre, tout le monde entier. C'est pourquoi il est également important que vous puissiez nous soutenir comme moi je soutiens la vision d'Évangile TV. Je suis investie au sein de cette vision parce que vraiment nous avons à cœur de propager l'Évangile dans des pays tels que le Danemark, la Chine, la Nouvelle-Zélande, dans tant de pays où des personnes n'ont pas encore accès à ce message qui est réellement puissant. C'est pourquoi nous nous battons au quotidien parce que nous voulons que des vies soient transformées, que des vies soient bouleversées, que des vies soient changées. Dès aujourd'hui, donnons afin de faire Évangile TV entrer dans cette nouvelle ère. Pour faire votre don, rendez-vous sur notre plateforme en ligne. Vous êtes ces héros dont nous avons besoin.
Bonjour à tous, je suis le pasteur Grâce Ma Foi, pasteur associé à l'église ACER Paris, aux côtés du pasteur Paulette Tsengue et également aux côtés de l'apôtre. Et je suis également responsable de la louange. Et vous savez, je me souviens très bien de l'implantation d'ACER Paris. Nous sommes allés de lieu en lieu. Les obligations du ministère nous ont menés à nous déplacer très souvent. Nous étions à Saint-Germain-en-Laye, nous avons commencé à Nanterre, nous étions à Saint-Germain, nous sommes repartis à Nanterre, nous sommes repartis à Saint-Germain-en-Laye, nous sommes partis dans Paris. Vraiment, on dirait que nous avons vraiment fait beaucoup de villes ici à Paris. Aujourd'hui, l'église ACER n'arrête pas de croître. Elle est aujourd'hui une méga church. L'église ACER Paris en particulier, qui est passée en 4 ans de quelques, on va dire, de 200 à près de 2000 membres. Et je pense que ce que le Seigneur a fait au milieu de nous est simplement extraordinaire. Et avec cette croissance, il faut qu'il y ait autre chose qui puisse croître, qui puisse grandir et exister. C'est notre capacité à acheter des bâtiments, notre capacité même à construire. Et pour cela, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Et l'autre chose aussi que j'aimerais peut-être vous apporter, que vous ne savez pas, c'est qu'en tant que responsable de la louange, j'ai vu le département de louange véritablement grandir. Lorsque j'ai commencé à prendre mes fonctions, mes responsabilités en tant que responsable des chantes, je me souviens très bien, chez les chantes, nous étions pas plus de 8 et plus quelques 5 ou 6 musiciens. Aujourd'hui, nous avons une équipe de près de 100 personnes, musiciens et chantes compris, sans compter les sonorisateurs qui travaillent vraiment avec nous. Et vous voyez, à cause de cela, les samedis, c'est compliqué d'organiser nos réunions. On est obligé de diviser des groupes. On est, vous voyez, et ça devient de plus en plus difficile. Et comme vous l'avez aussi constaté, nous avons multiplié les cultes. Nous avons 4 cultes et une seule équipe qui est capable de faire ces 4 cultes. Une équipe de louanges qui fait 4 cultes, c'est difficile. Et ce que nous désirons, c'est pouvoir avoir peut-être 2 équipes. Et pour mettre en place ces 2 équipes, nous avons besoin d'une plus grande salle, nous avons besoin de plus d'espace, nous avons besoin d'espace dédié à la louange, pendant que d'autres départements seraient peut-être en répétition, où on travaille, j'ai envie de dire, en train de préparer un culte, ben nous aurons suffisamment d'espace pour organiser des répétitions du culte du dimanche, organiser 2 répétitions simultanées, organiser des formations simultanées et aussi préparer toutes les autres implantations qui se font finalement avec l'aide des départements de l'église locale. Je vous en ai suffisamment dit aujourd'hui et je sais que le Seigneur va toucher votre cœur pour apporter votre pierre à l'édifice. À très bientôt. Salut à tous, je détiens ici un ouvrage, je détiens votre ouvrage intitulé « Votre leadership détermine votre succès ». Il y a une loi du leadership qui s'appelle la loi de la croissance explosive qui dit que si vous voulez connaître une croissance explosive dans votre organisation, vous devez former des leaders. C'est ce que je fais depuis quelques années et j'ai compilé ici dans cet ouvrage des lois et des principes bibliques qui vont vous aider à former des leaders, mais qui vont aussi vous aider à accroître votre leadership. Peut-être que vous êtes compétent dans votre art ou dans votre poste, mais vous n'arrivez pas du tout à vous multiplier. C'est la raison pour laquelle vous ne connaissez pas la croissance explosive. Je vais, dans ce livre, pas à pas vous expliquer comment former des disciples. Ce livre s'adresse à tous les responsables de cellules, à tous les responsables de réseaux de disciples. Ce livre s'adresse à tous les pasteurs qui veulent connaître une croissance explosive dans leur église. Les principes que je partage à l'intérieur, je les ai appliqués les 5 dernières années et j'ai vu nos églises tripler, quadrupler de façon exceptionnelle. La sortie officielle, c'est le 20 octobre, mais vous pouvez dès aujourd'hui. Alors, rendez-vous sur Amazon. Je vous assure, vous allez être bénis. Qui veut empêcher votre percée de se manifester. Est-ce que vous comprenez? J'envoie le feu de Dieu sur ces esprits au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? J'envoie le feu de Dieu. Tout esprit qui a été envoyé pour vous donner la maladie afin de vous empêcher de progresser, j'envoie le feu de Dieu dessus au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça?
au nom de Jésus. Je suis la tête, je suis la tête. Et non la queue. Et non la queue. Au nom de Jésus, je trouve la faveur aux yeux de ceux qui vont décider de mon avancement. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit qui me met et qui fait de moi la queue et non la tête. J'appelle l'esprit et la manifestation de la faveur de Dieu, de l'excellence du Saint-Esprit en moi pour que je devienne la tête et non la queue. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur a plani mon sentier. Je reçois l'onction pour exceller au nom de Jésus. Je déclare que je suis catapulté dans la grandeur. Dans la grandeur. Au nom de Jésus. Je déclare que j'identifie mes faiblesses qui empêchent mon progrès. Et je déclare que le feu de Dieu atterrit maintenant sur l'esprit de paresse, sur l'esprit d'oisiveté, sur l'esprit de dépression. Je déclare au nom de Jésus que les positions stratégiques de l'ennemi contre ma prospérité sont détruites au nom de Jésus. Les positions stratégiques de l'ennemi contre ma personne sont détruites maintenant. Les positions stratégiques de l'ennemi contre mon avancée. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Arini, j'ai 19 ans et j'aimerais vous témoigner de ce livre « Comment entendre la voix de Dieu » du révérend Alain Patrick Tsengue et comment est-ce qu'il a bouleversé ma vie chrétienne. Alors avant de commencer et d'entrer dans le cœur de mon témoignage, j'aimerais vous faire part d'une chose, c'est que avant d'être chrétienne, j'étais dans l'hindouisme et j'étais consacrée. J'avais déjà reçu, via des rêves, des visites de mauvais esprits et quelques mois avant que je donne ma vie à Christ, j'ai fait un rêve où je me trouvais dans une église. Et c'est après, quelques mois après, que j'ai donné ma vie à Christ. Lorsque j'ai intégré l'église ACER Paris, j'ai eu connaissance de ce livre « Comment entendre la voix de Dieu ». Et j'ai réalisé à travers ce livre que j'étais une personne spirit. En effet, le révérend Alain Patrick Tsengue parle de deux types de personnes, l'homme spirituel et l'homme spirit. Et ce livre m'a particulièrement béni car il m'a permis d'avoir un discernement suffisant afin de discerner quelles expériences viennent de Dieu et quelles expériences viennent du diable. Et j'ai également été très rassurée sur un point, c'est que toutes les pensées que j'ai ne viennent pas forcément de moi-même, de mon âme, mais parfois elles peuvent venir de mauvais esprits ou parfois même les anges ou le Seigneur peut m'inspirer des pensées. J'aimerais dire à la personne qui me regarde, à vous qui me regardez, que l'écoute de la voix de Dieu, c'est possible. Au début de ma vie chrétienne, j'étais vulnérable à des esprits de confusion et de séduction. Et je pense que nous avons tous eu des difficultés à entendre la voix de Dieu. Mais je peux et j'aimerais vous dire que c'est possible d'entendre distinctement la voix de Dieu, de comprendre comment Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et avec un enseignement adéquat, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Et ce livre, « Comment entendre la voix de Dieu » du révérend Alain Patrick Tsengue, est très simple à lire, à comprendre, et technique et précis. Tout simplement pour vous faire comprendre que l'écoute de la voix de Dieu est une école et que vous pouvez véritablement entendre la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Comment entendre la voix de Dieu ? Disponible en version Kindle et papier sur Amazon. Bonne nouvelle, Évangile TV est maintenant disponible sur la chaîne numéro 192 sur Canal Plus International. Retrouvez vos émissions préférées dès à présent en continu, telles que Fraîche, Partage ton histoire, Pendule à l'heure, Les Boss Lady Show, Push Me Up, La Masterclass de l'apôtre et plein d'autres exclusivités à découvrir. Retrouvez nos playlists gospel tout au long de la journée, ainsi que des séries et des films chrétiens.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers de la foi. À tout de suite sur la chaîne numéro 192. Nous sommes heureux de partager une grande nouvelle avec vous. Grâce à votre soutien et votre engagement, nous sommes ravis de vous annoncer l'arrivée d'Évangile TV en Nouvelle-Calédonie dès le 27 février, diffusée sur vos écrans via Canal Plus International. Restez à l'écoute et suivez notre actu pour ne rien rater de cette nouvelle aventure qui promet de vous enrichir et de vous élever spirituellement. À très vite. Jésus prend ta place. 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 Jésus. Est-ce que tu peux le chanter? Est-ce que tu peux adorer? Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Adore, adore, adore. Jésus prend ta place. Que le Saint-Esprit Jésus prenne toute la place en ce place. Lieu. Vas-y, adore, adore, lève les mains. Toute la place à Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, siège maintenant en ce lieu. Que quelqu'un, Seigneur, soit transformé, restauré maintenant. Vas-y, adore, 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 adore. Que ton cœur soit entier pour le Seigneur. Une seule place dans ce lieu. Vas-y. Yes. Jésus prend ta place. Jésus. Je ne vous entends pas, peuple de Dieu. Vas-y. Donne ton cœur à Dieu. Donne-le, donne-le. Pour recevoir le message, tu dois être entier devant l'Éternel. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Alors adore. Adorez, adorez, adorez. Carré bras et carré bras. Les cœurs, allez-y, adorez, adorez. Mayara bras et carabasaya, rabasaya. Oui, Saint-Esprit. Alors que tu sièges maintenant, Seigneur, le manteau de Dieu doit descendre sur toi. Le manteau de Dieu doit descendre, Saint-Esprit. Mayara brasita kayare besta kayaraba. Un nouveau manteau. Un nouveau manteau, Saint-Esprit. Alors que nous sommes connectés, Seigneur, à ta personne, je déclare et je soumets ton peuple maintenant. Je soumets, vas-y, vas-y, vas-y. Fais monter. Mayare brasita kayare basta. Toute la place, Saint-Esprit. Yes. Mayare brasita kayara baba. Toute la place à l'Éternel. Mayare brasika yaraba. Yes, 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 yes. Vas-y, 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 vas-y. Yarabasa, yarabasa, ya. Efface-toi devant l'Éternel. Efface-toi et laisse-je faire ce qu'il doit faire avec toi. Mayara brasika yarabasa, ya. Mayarabase kerebasa, ya. Makareba, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Makaya repra sekere basaya. Ora ba 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 ba. Makaya repra sekere basaya. Yes, 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 yes. Une seule place au Tout-Puissant. Ah, sakaya raba seke. Saint-Esprit, utilise-moi, Seigneur, pour bénir ton peuple. Que ce canal bénisse, Seigneur, ton peuple. Que ce canal bénisse ton peuple. Mayare brasse, kere, baba, 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 baba. Vas-y, prie, 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 prie. Priez, peuple de Dieu, priez. Priez dans la présence de Dieu. Priez dans la présence de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Nous nous effaçons devant toi.
pour que tu puisses prendre le contrôle maintenant, Seigneur. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi, Seigneur, pour apporter, Seigneur, les ingrédients dont ton peuple a besoin. Je refuse de croire que ton peuple est sec. Je refuse de croire que ton peuple, Seigneur, a peur. Je viens installer, Seigneur, maintenant, un cœur disposé. Alléluia. Mayara babasi pipi. Mayere brasia. Korabasaka. Mayara babababababababa. Karabaseye. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont tes attentes ce matin, mais laisse-moi te dire que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Il veut déposer un nouveau manteau, mais est-ce que ce canal est prêt? Alors mets ta main sur ton cœur et dis: Seigneur, je veux être utilisé par toi. Je veux être attiré par toi. Je sais que je dois donner mon cœur tout entier. Je te le présente, exempt de mauvaises pensées, maintenant dans le nom puissant de Jésus. La terre est fertile et je vais lui donner des ingrédients pour que ma foi soit boostée. Au nom puissant de Jésus, amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame et pousse un cri de joie. Non, acclame mieux que ça. Nous parlons de Jésus, le Tout-Puissant, celui qui n'a pas changé, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il mérite un peuple vivant, il mérite un peuple en feu, enflammé pour l'éternel. Acclame bien pour l'éternel. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, je crois que nous allons passer un bon moment. Je crois que ton peuple va être béni. Mais avant de commencer, j'aimerais honorer mes autorités. L'apôtre Alain Patrick Sengue, le visionnaire des ministères à CER, également le pasteur principal de la maison, le pasteur Paulette. Merci même pour l'opportunité que tu me fais de prêcher à ce deuxième culte. J'aimerais que tu puisses mieux les honorer. Ah oui, ils méritent mieux que ça. J'aimerais également que tu puisses acclamer pour le couple Ntoutoum, le pasteur Isaac, le pasteur Essie, le couple Dadje, pour le pasteur Augustin, le pasteur Françoise, le couple NGP, pasteur Syriac, maman Liliane. Acclame pour la ministre Sabrina. Acclame pour la CE Ingrid, tous les 12 du pasteur Paulette, notamment Nathalie qui nous a bénis ce matin. N'est-ce pas? Je crois que tu as reçu et que ton cœur est prêt à recevoir le message. Et j'aimerais que l'on puisse donner le meilleur pour la fin, pour le Saint-Esprit. Fais plus de bruit pour le Saint-Esprit. Oh, nous t'honorons, Saint-Esprit, et nous t'invitons à siéger. Tu peux te rasseoir maintenant. Ah, dis à ton voisin, ça va être fire. Dis, ça va être le feu. Je ne sais pas dans quel état tu es venu, mais j'ai tellement de bonnes choses à te donner. Et je crois que tu vas te relever, peu importe les circonstances. Et tu vas réaliser que être berger, ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Le message ce matin que je voulais vous apporter, c'est « Sois sous le bon manteau ». Oui, c'est un message qui me tenait à cœur, car je ne me suis pas faite seule. Et je ne me fais pas seule encore aujourd'hui, après 9 ans, à la méga church à CER Paris, qui m'a transformée. Et vraiment, j'aimerais que l'on puisse acclamer pour cette maison, qui est une bonne terre, qui est vraiment un centre de restauration. Je sais comment je suis venue ici et Dieu m'a montré la finalité. Je n'attends pas les titres, je n'attends rien du tout, si ce n'est, et comme la Respo Nathalie l'a dit, donner son cœur tout entier. Je me donne à fond et je crois que ce matin, quelqu'un va réaliser qu'il a quelque chose de précieux à donner, juste ton cœur. Et ce message me tenait à cœur car tu ne peux pas porter n'importe quel vêtement. Il y a des vêtements entachés, il y a des vêtements où il y a une telle puissance, il y a des vêtements que tu dois porter. Et le pasteur Syriac a dit que Dieu te soutient, il peut être ton partenaire, car l'Esprit du Seigneur est sur toi.
comme l'Esprit du Seigneur est sur toi, alors tu peux impacter des vies. Tu dois aller prêcher l'Évangile. Si c'est ton partage, dis ça, c'est moi. Oui, tu es équipé. Tu es équipé pour faire des dégâts dans le monde spirituel. Et j'aimerais introduire mon message en vous donnant l'origine du vêtement. Vous savez, avant la désobéissance d'Adam et Ève, le vêtement n'existait pas dans le projet initial de Dieu. Ils étaient habillés d'un vêtement de lumière, un vêtement de gloire. Mais parce qu'ils n'ont pas écouté l'autorité spirituelle, à savoir Dieu, ils n'ont pas voulu, en fait, se soumettre. Alors le vêtement est devenu le fruit de la désobéissance d'Adam et Ève. Et regardez dans Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc vous voyez que ici, ils ont vu en fait qu'ils étaient nus. Ils ont vu leur nudité physique. Alors qu'au départ, ils avaient un vêtement spirituel de gloire en fait. Et partant de là, je me dis, il faut toujours avoir une autorité spirituelle de se soumettre pour éviter de voir sa nudité. Genèse 3, 21 nous dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Malgré ça, Dieu a pris soin de sa créature alors même qu'elle a désobéi. À cause de la nature de Dieu, le caractère amour de Dieu, Dieu a quand même pris soin d'Adam et Ève en les couvrant, en ne regardant pas leur nudité. Et j'aimerais vous donner une première définition du manteau, définition du dictionnaire. C'est un vêtement à manches qui se porte par-dessus les autres vêtements pour protéger du froid. Une autre définition nous dit que c'est une couverture. Et en hébreu, le mot manteau se traduit par aderet, qui signifie gloire, qui signifie vêtement de prophète, et qui représente l'essence de la personne et de sa puissance intérieure. Peut-être que aujourd'hui tu as un manteau qui te protège du froid. Tu as un vêtement qui te sauvegarde ta dignité en voilant ton intimité. Mais laisse-moi te dire que combien même ton corps se voile, l'âme se dévoile. Et pour moi, le manteau a double fonction. Il voile et dévoile. Et j'aimerais vous dire, vous donner une définition de qu'est-ce qu'un vêtement selon la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a trois fonctions, en fait, du vêtement. Couvrir la nudité par pudeur, servir de couverture aux pauvres pour la nuit, et protéger du climat. Et vous savez, dans la parole de Dieu, Noé avait trois fils. Sam, Cham et Japhet. Et l'un de Cham, qui était le plus jeune, en fait, a vu son père ivre, parce que Noé était un cultivateur, et il s'est moqué de lui. Et il est parti voir ses frères en disant, « Ah, regarde papa, il est tout nu, il est ivre, etc. » Et qu'est-ce que les frères ont fait? Ils ont dit non. Il n'est pas bon de voir notre père. Ils ont caché la nudité de leur père en couvrant le père d'un manteau. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, combien même ton responsable peut faire des erreurs? Combien même ton leader peut faire des erreurs? Cache sa nudité. Cache sa nudité en le protégeant, en ne calomniant pas sur lui sur les réseaux sociaux. Car il y a des anges qui sont et qui travaillent avec ses responsables. Et il est question que, en tant que berger, vous devez protéger vos responsables, protéger vos membres. Et j'aimerais vous donner un premier exemple. J'aimerais que qu'on m'amène mon manteau. Bon, c'est de la fausse fourrure, hein. J'aimerais avoir une personne, si tu veux venir. Vous voyez ce manteau, c'est un simple manteau. Et en tant que berger, je me pose la question de, tu te situes où? Es-tu ce genre de berger qui, voyant sa brebis
dans le froid, voyant sa brebis sans défense, etc. Es-tu ce genre de berger qui va couvrir sa brebis? Priez pour elle, intercédez pour elle. Au lieu de voir sa nudité, Seigneur, je prie pour que ma brebis soit restaurée. Je prie pour que ma brebis se relève, quelles que soient les difficultés. Je ne regarde pas ce par quoi elle passe, mais je prie parce que je veux me rendre sacrificateur pour elle. Je la protège, je prie pour elle. Es-tu ce genre de berger qui, lorsqu'il a ce manteau entre les mains, préfère lancer ce manteau rempli d'onction pour faire juste touch? Ah ah, ça parle à certains. Ah, je vous ai dit, vous devez être sous le bon manteau. Votre manteau doit être utile, pas pour faire des touches seulement. Es-tu ce genre de berger qui préfère mettre ce manteau parce qu'il est beau, il est magnifique, j'attends juste le titre pour briller? Et lorsque la brebis a un problème, au lieu de se dévêtir pour habiller la brebis, je préfère m'enorgueillir et montrer ce manteau. Car je sais qu'il est chargé de puissance et d'onction. J'attends juste de montrer ce manteau et de dire « Ah, reçois, reçois !» Quel genre de leader êtes-vous? Il n'y a pas 10 000 leaders. La Respo Nathalie l'a dit, le Seigneur recherche quelqu'un qui se sacrifie pour sa brebis. Le Seigneur recherche un cœur entier. Quelqu'un qui sait s'effacer. Quelqu'un, lorsqu'il pose le manteau sur la brebis, il préfère être nu et dire « Seigneur, je prie pour sa restauration. Seigneur, je suis un pan pour elle. Seigneur, je veux la voir élevée. Seigneur, oui, tu peux acclamer. Seigneur, je veux véritablement qu'elle aille toucher ton cœur. Oui, Seigneur, je la vois aller encore plus loin. La situation qui se présente devant elle, ce n'est pas vrai. Je sais que le Dieu de l'impossible est capable de rendre les choses possibles. Alors je prie pour elle. Je veux voir sa situation changer alors que ta situation n'a pas changé. Quel genre de berger es-tu? Quel genre de berger es-tu? Je te laisse vraiment méditer sur ça. Est-ce que vous pouvez acclamer pour elle? My God. Et vous savez, lorsque Cham a découvert la nudité de son père, vous savez ce que son père a fait? Il l'a maudit. À cause d'un manteau. Un manteau qui aurait pu protéger Cham et amener la bénédiction. Ce manteau l'a empêché d'être béni. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as une autorité, lorsque Dieu a placé quelqu'un au-dessus de toi, c'est que Dieu veut l'utiliser pour te bénir. Alors sois proche de ce leader. Sois proche de la source. Tu veux recevoir des choses, mais tu ne connais pas cette autorité que Dieu a placée. Et en tant que berger, nous devons connaître les personnes qui nous ont introduits bergers. Ah oui, tu peux acclamer, tu peux acclamer. En tant que responsable, on doit connaître la personne qui nous a placés et être reconnaissant vis-à-vis d'elle. Être reconnaissant. Prie pour elle alors qu'il y a des choses qui sont dites sur les réseaux. Tu peux aller dans le secret, Seigneur, je brise ces paroles. Je connais mon leader. Je sais quel est le manteau qui est sur mes leaders. Le manteau qui est sur l'apôtre Alain Partic Singuet et le pasteur Paulette. Un manteau prophétique, un manteau de gloire, un manteau d'expansion, un manteau de fidélité. J'aimerais que l'on puisse acclamer pour eux. Nous avons le bon manteau. Nous avons le meilleur des manteaux. Et j'aimerais que l'on puisse protéger les autorités que Dieu nous a données. My God, juste par la prière. Juste par la prière, juste par ton cœur, le cœur, ce que tu as au-dedans. Ne pense pas des choses, ne regarde pas à ce que les hommes mettent, mais regarde à ce que Dieu voit d'eux. Dieu les voit comme des merveilleuses créatures. Dieu les voit comme des sentinelles. Dieu les voit comme des personnes sur qui nous pouvons compter. Sinon, nous ne serions pas ici. Et j'aimerais que l'on puisse acclamer pour eux, car ils payent le prix.
ils savent de quoi il s'agit. La Respo Nathalie a parlé de sacrifice. Voici le sacrifice qu'ils ont fait pour que nous soyons ici. Et ils n'ont pas fini d'étendre des méga-churches, critiques ou pas critiques, calomnie ou pas calomnie. Je viens déclarer l'expansion des églises ACR, des méga-churches dans toute la France, dans tous les pays. Ah, Karabasekerebo Saya. Oui, le ciel a entendu. Ça va se faire. C'est en cours de téléchargement. Que quelqu'un dise en cours de téléchargement. Ah, yes, 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 yes. Ah. Et je déclare que tu sauras prendre aussi soin de ta famille naturelle, ta famille spirituelle. Prends soin de tes amis. Prends soin des personnes que Dieu a placées autour de toi. Sois un bon berger qui décrète et déclare des bonnes choses sur les personnes que Dieu a mises sous ton autorité. Et ma première partie, j'ai tellement de choses à vous dire, j'espère avoir le temps. Est-ce que vous êtes bénis? La première partie, différentes symboliques du manteau. On entre dans le message. J'aimerais commencer par illustrer la symbolique du manteau par une personne, je crois que l'on connaît tous, Jésus-Christ. Au travers de l'histoire de la femme à la perte de sang. Je vais lire Luc 8, verset 43 pardon, à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Il s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. » Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ah, regardez comment un simple vêtement a pu guérir une personne de manière instantanée. Je déclare que si tu es malade, tu vas toucher le meilleur de manteau, le manteau de Jésus-Christ, rempli de vie, car il a le pouvoir de donner la vie. Il y a des manteaux que tu dois impérativement toucher. D'abord le manteau de Jésus. En tant que berger, il y a plusieurs manières de le toucher. En te rapprochant de lui, par la prière, par des temps d'intercession, par des jeûnes et prières, juste en aimant la personne que Dieu a placée, à savoir tes membres. Tu peux te rapprocher de Dieu en aimant juste tes membres. Deuxième manteau. My God, j'ai tellement de choses à dire. Le manteau d'Élie. On va rapidement parler parce que c'est très long. L'histoire d'Élie, vous pourrez lire dans 2 Rois 2, versets 1 à 14. Il est également mentionné dans 1 Roi 19, versets 19 à 21. Je vais expliquer rapidement. Élie avait reçu de Dieu qu'il devait oindre Élisée comme successeur. Élisée, un simple laboureur. Dieu a vu son potentiel. Par exemple, il mettait tout son cœur, sa force au travail. Il était vraiment impliqué, investi. Il n'a jamais rechigné au travail. Il avait 12 paires de bœufs pour labourer. Et ce sont que des qualités que Dieu recherche dans l'homme. La fidélité, la diligence, mettre tout son cœur à l'ouvrage. Et ma question ce matin, c'est de quelle manière es-tu investi dans ce que Dieu t'a donné entre les mains? Il t'a confié un groupe de réveil. Il t'a confié une famille. Il t'a confié des collègues. Là où ton environnement est hostile, tu sais le manteau qui est sur toi. Pourquoi tu veux changer de manteau? Pourquoi tu mets un manteau de peur sur toi lorsque tu es en présence des personnes qui ont besoin de toi? Je vous ai dit, choisis le bon manteau, sois sous le bon manteau. Il y a des manteaux qu'il ne faut pas porter et je déclare que ce n'est pas ton partage ce matin. Au nom puissant de Jésus. On continue avec Élie, il sera enlevé au ciel sous les yeux d'Élie en laissant son manteau au sol. Lorsqu'il est monté, il a laissé son manteau au sol et... Pour moi, c'est le symbole de la transmission de l'autorité de Dieu dans le service.
et je prie que des générations soient véritablement couvertes d'un manteau et que Dieu transmette toute sa puissance au travers de ce manteau. Si c'est toi, dis ça, c'est moi. Vous savez, le manteau ne vient pas sur les personnes qui sont juste assises, attendant que quelque chose se passe. Il vient sur les personnes qui se sont qualifiées pour la position. Et pour ça, il y a un prix à payer. La Respo Nathalie l'a dit, le sacrifice. Tu veux entrer dans ton appel. Tu veux être le meilleur des bergers. Mais qu'est-ce que tu es prêt à mettre sous l'autel? Qu'est-ce que tu as déjà mis sous l'autel? Qu'est-ce que tu as déjà donné comme quelque chose qui te coûte? Qu'est-ce que tu as déjà donné? Moi, je suis ce genre de berger où j'aimerais prendre l'exemple. Viens, Sarah. Makarabrasi arabasi. Lorsque mes membres viennent me parler de telle ou telle situation, je dis, Seigneur, je prends la situation. J'ouvre les bras comme Jésus à la croix. Je dis, Seigneur, je porte le fardeau de mon enfant. Je porte le fardeau de mon enfant. Je veux que mon enfant, Seigneur, soit guéri. Je prie tellement comme si c'était mon problème. Je n'ai parfois pas d'argent, mais je dis, Seigneur, je sais que tu es le pourvoyeur. Tu es celui qui va donner, car il n'y a pas de manque dans celui qui donne. Je dis, Seigneur, je prends cette charge. Je me sacrifie à la croix. Oh Seigneur, je mets ma vie sur ton autel pour mes membres. Je le dis tout le temps. Et je dis, Seigneur, que je sois de près ou de loin avec mes membres, Seigneur, tu sais combien je les aime et tu sais que la situation doit changer. Je ne vais pas m'arrêter de prier pour elles. Je ne vais pas m'arrêter. Car si le Seigneur m'a donné ce réseau, si le Seigneur m'a mis dans cette méga church, je dois contribuer en fait au succès de cette méga church. Je dois donner tout ce que j'ai. Je dois m'investir. Je dois être cette personne qui ne rechigne pas au travail. Et je déclare au nom puissant de Jésus que ce sera ton partage. Tu seras comme Jésus-Christ, prêt à tout donner à la croix, jusqu'au sang, peu importe, qu'on tire des flèches enflammées, qu'on critique, je prends les critiques, je suis immunisé des critiques. Je n'ai pas peur des critiques, au contraire, je sais comment renverser ces critiques. Ma bouche, je déclare, je lance des paroles de feu, je viens renverser ce qui a été dit. Je dis, Seigneur, pardonne cette personne, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est dans l'ignorance. Et je dis, Seigneur, je prie qu'elle vienne demander pardon. Et je prie que tu deviennes ce berger. Tu peux te rasseoir. Que tu deviennes ce berger qui est prêt à s'oublier pour voir l'autre. S'effacer pour voir l'autre. My God. Korabasa, j'ai tellement de choses à dire. J'aimerais vous parler du manteau de l'apôtre Paul. Que quelqu'un me lise 2 Timothée 4, verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Yes. Tu peux continuer, s'il te plaît. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Yes. Je voulais parler du verset qui parle de se dépouiller du vieil homme. Je crois que c'est un peu avant, en fait. Est-ce que tu peux lire 2 Timothée 4, verset 10 jusqu'à 13? 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Yes. Vous savez, lorsque l'on vient à Christ,
Le Seigneur nous demande de laisser le vieil homme, le vieux manteau derrière nous, pour revêtir l'homme nouveau. Et le manteau que nous devons tous porter, c'est le manteau de Christ. Et nous portons ce manteau. Mais il faut savoir honorer la personne qui porte ce manteau. Est-ce que tu connais Christ? Est-ce que tu connais ses besoins en tant que berger? Est-ce que tu t'es dit, Seigneur, quelles sont tes aspirations? Quelles sont tes attentes? Est-ce que tu te poses tous les jours cette question? J'aimerais te sensibiliser aussi aux besoins de Dieu. Car au travers des besoins de Dieu, Dieu te dira ce dont il a besoin. Il veut les âmes. Les âmes ont des besoins. Et ce sont les besoins de Dieu. Ce sont les besoins de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses considérer vraiment la grâce que tu as d'avoir des brebis, des membres en fait. Des membres qui peuvent aller tellement loin et au travers de leur vie, tu peux même voir ta destinée. Au travers du fruit même de leur vie, tu peux voir ta destinée. J'aimerais vous parler également de Bartimée l'aveugle. Dans Marc 10, versets 46 à 53. Est-ce que, Nathalie, tu peux me lire ce verset, s'il te plaît? Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Yes. Regardez la puissance du manteau de Jésus. Comme la femme à la perte de sang, Bartimée a vécu la même chose. Il savait que Christ était là. Il a bravé les critiques. Il s'est pas laissé intimider par la foule qui l'empêchait de crier. Et lorsque il a appelé Jésus, il a d'abord commencé par jeter ce manteau. Il y a des manteaux qu'il faut se débarrasser. Le manteau de la honte, le manteau de la peur, le manteau de l'orgueil. Ah, je déclare que c'est ton partage. Peu importe ce que l'on t'a dit, jette ce manteau et va toucher le manteau de Dieu. Rempli d'onction, rempli de puissance, rempli de vie. Ah, je viens tuer l'orgueil ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Ah, les manteaux qui ne sont pas de belles couleurs. Le manteau de Christ est blanc, pur, sans tache. Peut-être que tu étais habitué à critiquer sur les réseaux ou autres, mais je viens déclarer au nom de Jésus que tu es libéré. Ce manteau te quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais également vous parler de Joseph. Un homme qui a revêtu 5 manteaux. Premièrement, son premier manteau, le manteau symbole de privilège. Oui, Joseph a été privilégié. Vous savez, ses frères l'ont détesté parce que c'était le préféré de Jacob. Et Jacob lui avait confectionné un manteau différent de ses frères. Ce manteau était digne d'un prince, symbole d'honneur. Alors que ses frères portaient des manteaux de berger. Ils étaient remplis de jalousie. Et j'aimerais ce matin que tu considères la responsabilité qui t'a donnée comme un privilège. J'aimerais que tu te projettes comme ce berger que Dieu recherche. N'abandonne pas ta responsabilité si les montagnes de ta vie ne sont pas encore aplanies. Reste fidèle à Dieu. Vous voyez,
Jacob était très prophétique. Il aimait tellement son enfant qu'il lui a donné un manteau qui avait de la valeur. Et regardez la vie de Joseph. Malgré le fait qu'il s'est fait esclave, il a été accusé, il ne s'est pas arrêté. Il a encore plus prophétisé. Il a manifesté encore plus de dons. Il a été fidèle malgré les critiques, malgré ce que les gens pouvaient dire à l'encontre de Joseph. Et regardez comment il a fini. Tu veux une certaine position, mais est-ce que tu es prêt à braver tous les interdits, toutes les choses qu'on te dit, toutes les mauvaises circonstances? Je viens encourager quelqu'un à rester fidèle à Christ. Car toi qui as le manteau de Dieu, toi qui as l'Esprit de Dieu sur toi, tu es privilégié. Tu es privilégié, tu es favorisé. La faveur de Dieu te localise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Autre manteau que Joseph avait, un manteau symbole d'intégrité. Il était intègre parce que malgré toutes les épreuves qu'il a vécues, il est resté intègre à Dieu. Son engagement, il a respecté son engagement. Il n'a pas cédé aux avances de la femme de Potiphar. Il n'a pas cédé à la chair, mais au contraire, il est resté attaché à l'Esprit de Dieu. Et j'ai envie d'encourager quelqu'un pour dire peut-être que tu luttes avec des choses, etc. Mais si tu restes focalisé sur Dieu, si ton esprit est connecté à celui de Dieu, laisse-moi te dire, cette chair-là, tu peux l'assujettir. Tu peux l'assujettir. Ne culpabilise pas en tant que berger en te disant, mais ma vie n'est pas le reflet de ce que Dieu veut pour moi. Non, le Seigneur a déjà vu comment est ta vie. Il t'a accepté tel que tu es. Il attend juste que tu restes concentré sur lui et qu'au fur et à mesure, tu changes les choses pour lesquelles tu luttes. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ces choses. C'est déjà réglé à la croix. Autre manteau de Joseph, l'humilité. L'humilité. Malgré les échelons par lesquels Joseph est passé, il était en prison, esclave, emprisonné, et il était au palais. Il est resté humble. Sa foi encore a encore plus grandi. En tant que berger, si tu entres dans cet appel, quelle est l'attitude que tu vas avoir? Vas-tu t'enorgueillir? Je crois que ce n'est pas ton partage ce matin. Mais tu dois quand même y penser, préserver ce cœur plus que toute autre chose. Car de là viennent les sources de la vie. De là viennent toutes les choses auxquelles tu aspires pour tes membres et pour ta vie. Enfin, Joseph avait le manteau symbole de pardon. Je déclare que tu seras comme Joseph, fidèle à tes engagements, et que tu seras revêtu d'un manteau de privilège, d'intégrité, d'humilité, de grâce et d'excellence au nom puissant de Jésus. Si c'est moi, dis ça, c'est moi. Mon grand 2, c'est comprendre les merveilles qu'il y a dans le manteau. Je vous ai dit, nous avons des autorités. L'apôtre Alain-Patrick Tsinguet, le pasteur Paulette, qui ont le manteau prophétique sur eux. Il y a l'onction du prophète qui provoque le surnaturel. Et Jésus est venu comme le prophète des prophètes. Nombre 6, 23, 27 nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël que vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » L'apôtre et le pasteur Paulette ont été ordonnés pour proclamer des bénédictions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu les a établis pour nous bénir. Et si tu veux ce manteau sur toi, tu dois te rapprocher, je vous l'ai dit, de la source. Tu dois être connecté à eux.
Et ma question, c'est où est ton tuyau de connexion ? Spirituel, j'entends. Quand tu es connecté à ton autorité, toute grâce coule automatiquement sur ses enfants. Et je viens le déclarer sur ta vie. Parce que tu honores tes leaders, parce que tu es fidèle à ta maison, alors la grâce qui est sur leur vie coule sur toi dans le nom puissant de Jésus. Le manteau prophétique est relâché sur celui qui a un cœur pur, droit devant Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la faveur de Dieu est sur ton manteau. Psaume 112, 1-3 nous dit ceci. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La faveur de Dieu est disponible pour toi. Si tu veux l'accueillir, elle est disponible pour tout le monde aujourd'hui. Tu veux la bénédiction ? Alors recherche d'abord le Seigneur, celui qui est la source de toute ressource. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Alors fais confiance à tes autorités. Fais confiance aux personnes que Dieu a placées en tant que berger. Si tu portais un manteau de loser, d'échec, et si tu pensais que ton manteau t'identifiait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare dans le psaume 68, 27, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Et je vous invite à revoir l'enseignement de l'apôtre de ce lundi au grand live. Il donnait des 7 clés pour la puissance spirituelle. Et il disait que la maladie, tout problème, doit se soumettre à ton autorité, à ton exousia dans le nom puissant de Jésus. Tes problèmes doivent fléchir le genou devant toi. Alors ôte ce manteau d'échec et porte le manteau que Dieu t'a donné. Je dis, c'est une obligation, c'est un ordre. Et je déclare que même en prison, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu peux lever ta main. Même en prison, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Je déclare que même en rampant, tu trouveras la force de te relever. Et je prophétise ta domination dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Dieu ordonne que tu sois puissant. De quoi as-tu peur en tant que berger? Tu as le meilleur des manteaux, celui de Dieu. Alors tu dois dominer. Tu dois dire à Satan, « Satan, mon autorité est au-dessus du tien. Ah, j'ai la meilleure des puissances. Et je viens dire à cette chose de me quitter. Je viens dire à ce problème de partir. Lorsque j'ouvre la bouche, je sais que ce que je vais libérer a une puissance. Je sais que ce que je vais libérer est au-dessus de toute puissance. Tu es au-dessus de la puissance de Satan. Il t'a donné la domination. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le règne de siéger, de gagner au nom puissant de Jésus. » My God, Karabasi, Arabasa. Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui il peut jeter un manteau ou des manteaux. Et la Bible nous montre un exemple de manteau à saisir. Je vous ai parlé de Élie, le manteau du prophète Élie. Il avait la double onction. La double onction. Et cette double onction, Dieu la destine à ceux qui acceptent de s'asseoir au pied d'un père pour être formés comme disciples, je répète. La double onction, Dieu la destine à ceux qui acceptent de s'asseoir au pied d'un père pour être formés comme disciples. Alors, j'ai envie de dire, où es-tu assis? Quelle est ton autorité? Quelle est la personne qui te nourrit? Quelle est la personne en qui tu as confiance? Tu veux la double onction? Tu veux entrer dans cet appel. Tu veux, en fait, avoir un grand GR. Ce n'est pas mauvais. Mais es-tu au pied du maître? Es-tu au pied du maître? As-tu déjà regardé ses pieds? As-tu déjà regardé ses pieds?
As-tu déjà visualisé et dit, Seigneur, si nous faisons le lavement des pieds, je serai prêt à m'abaisser. Je serai prêt, oui Seigneur, à mettre l'eau dans la bassine et laver les pieds de mes leaders. Peu importe l'état de leurs pieds, peu importe ce qu'il y a dessus, je vais l'enlever. Je veux le nettoyer. Je veux leur donner un nouvel aspect. Un nouvel aspect. Karabasi, arabasaka. En tant que berger, tu dois être prêt à t'humilier, t'abaisser devant tes autorités et dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai été loin d'eux. Je ne les connais pas, mais je vais apprendre à les connaître. Je veux la grâce qu'il y a, mais je veux moi-même m'investir. Je veux moi-même, en fait, me découvrir au travers de leur vie. Matthieu 7, 15 à 20 nous dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Un arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a deux sortes d'arbres, les bons et les mauvais. Et je déclare que ton arbre est porte de bons fruits dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, les caractéristiques des épines et des chardons, c'est qu'ils piquent. Et parfois, quand le leader nous dit des choses, c'est vrai, on manifeste le mauvais caractère. Mais laisse-moi te dire, si tu veux avoir le bon manteau, tu dois accepter justement d'être réprimandé. Tu dois l'accepter. C'est le prix à payer. On a parlé de sacrifice ce matin. Ça fait partie du prix que tu dois payer. Et Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire au caractère. Il cherche des personnes qui ont le caractère de Jésus, dans lequel domine le fruit de l'esprit. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui cherchent la croissance du fruit de l'esprit dans nos vies pour mettre un bon manteau. Ayez le caractère de Christ, my God. Ressemblons à Christ. Même si c'est dur, cherchons à manifester le caractère de Christ. J'aimerais finir en disant ceci, et le pasteur Sirek l'a très bien dit la semaine dernière, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es équipé pour gagner le maximum d'âmes. Dieu est ton partenaire d'affaires. Donc ne te limite pas. Tu es capable de gagner des foules. Tu es capable de t'exprimer parmi les foules. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, tu regardes à Christ et tu dis, Seigneur, je suis équipé du meilleur manteau. Je veux que tu sois mon influenceur parce que je veux influencer les autres. Je veux être une source de bénédiction pour les autres. Alors que tu influences le ciel, les autres, le ciel est en mouvement. Le ciel se bouge pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, garde le beau manteau. Enlève le vieux manteau. Et je prie maintenant, et tu vas te lever en levant les mains. Je prie que tu aies ce manteau de gloire, ce manteau de faveur. Ce manteau de grâce, ce manteau d'humilité. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, oh, je veux porter le meilleur des manteaux. Élève ta voix et prie. Dis au Seigneur, je suis capable, Seigneur, d'avoir un nouveau vêtement. Un vêtement, Seigneur Jésus, sans tache. Un vêtement, Seigneur Jésus. Ah, makari brassia, vas-y, prie. Mayare brassica, rab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 a. Mayare brabababababa. Oh, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Makare brabababababababa. Oui, le Seigneur t'emmènera de gloire en gloire avec le nouveau manteau que tu vas avoir. Tu vas transcender les générations. Tu vas dire à Satan qu'il est vaincu. Makare brabababa sikere babababababababa. Mayare brab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 a. De gloire en gloire, vas-y, adore. De gloire en
avec le nouveau manteau. Je t'emmènerai à gagner. Je t'emmènerai vers la gloire dans le nom de Jésus. Vas-y, entonne cette adoration. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Yes, yes, yes. Tu m'emmènes. De gloire, 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 gloire. De gloire en gloire, de succès en succès. Maya rebrasi arabase karabasaya. Emmène-nous plus loin, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous dans les profondeurs de ta personne, Seigneur. Maya rebrababababababababa. Vas-y, 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 vas-y. Yes. De gloire en gloire. Maya reba. Que tu as les yeux fermés, Karabassia. Tu es dans ce lieu, tu ne connais peut-être pas le Seigneur, ou ton cœur n'est pas encore proche de celui du Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur peut te donner un nouveau manteau. Il peut ôter ce manteau que tu as gardé jusqu'à aujourd'hui pour te donner un manteau de gloire. Un manteau rempli de perles, un manteau d'espoir. Et si tu es dans ce lieu, tu ne connais pas Dieu, alors lève la main. Lève la main pour accepter le Seigneur. Je vois une main levée. Oui, lève la main, n'aie pas honte. Le manteau de la honte va être ôté après la prière. Est-ce que vous pouvez aider ces personnes à s'avancer? Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Approchez, approchez. Est-ce qu'on peut les encourager? C'est la meilleure des décisions. Vous allez avoir un nouveau manteau. Approche, n'aie pas peur. Il y a encore de la place pour ceux qui veulent. Il y a encore de la place pour les personnes qui veulent donner leur cœur à Dieu. Vas-y, approchez, 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 approchez. Ah, c'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire. Ah oui, encouragez-les, encouragez-les, encouragez-les. Vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux, concentrez-vous sur la personne de Jésus. Et vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus, me voici. Je reconnais que j'étais pécheur. Et aujourd'hui, tu as tout pardonné à la croix de Golgotha. J'ai entendu le message et je veux, Seigneur, avoir un nouveau manteau. Pour cela, je veux te donner ma vie. Je veux devenir ton enfant et je veux faire de toi mon père. Oui, Seigneur, je viens en toute sincérité m'accorder avec ton royaume et te donner ma vie aujourd'hui. Je veux faire partie de ton royaume et être ton enfant à compter de ce jour, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Félicitations, 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 félicitations. Je vous invite à vous approcher et on va vous aider à remplir les fiches. Est-ce que tu peux acclamer pour eux? Je donne la parole à la ministre Sabrina. Ok, gloire, gloire, gloire à Dieu. Alors, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous laisser le temps de préparer vos dîmes, vos offrandes. Sur le dossier de la chaise qui est en face de vous, normalement, vous avez des enveloppes à disposition qui vont vous permettre de faire vos offrandes.
vous avez l'enveloppe orange pour les offrandes. Vous avez l'enveloppe verte pour les dîmes, je crois, si je ne me trompe pas. L'enveloppe bleue pour EVTV, la chaîne de télé, Évangile TV. Vous avez aussi l'enveloppe blanche et rouge pour le pôle social, le pôle Ebenezer. Il n'y a plus. Ok, donc vous avez plein d'enveloppes de disposition pour faire votre dîme et vos offrandes. Et si jamais, devant vous, il n'y a pas d'enveloppe, normalement, il y a des hôtesses sur le côté qui ont des enveloppes et vous levez la main et vont vous distribuer des enveloppes. Si vous ne souhaitez pas d'enveloppe, vous avez quand même les TPE à l'arrière de la salle, dans l'allée centrale, pour pouvoir donner avec votre carte bancaire. C'est bon pour tout le monde ? D'accord. Donc, je laisse Ok. Je vais laisser les porteurs de réveil nous accompagner dans un chant de louange. On va tous se lever. On va tous chanter et venir amener nos offrandes dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas? Nous allons maintenant prier pour ces dîmes et ces offrandes. Fermons tous les yeux, baissons la tête. Voilà. Père éternel, nous te rendons grâce, ô Dieu, et nous te présentons nos offrandes, ô Père. Merci, mon Dieu Seigneur, pour ces dîmes, ces offrandes. Merci parce que tu nous as donné à tous la capacité, Père, de semer dans cette église, de semer dans cette terre. Nous croyons que c'est une bonne terre et nous croyons que notre semence va porter du fruit. Nous croyons, ô Dieu, que tu vas nous bénir, que tu vas te manifester avec puissance dans chacune de nos vies, apportant la prospérité, ô Dieu, apportant la faveur, apportant la grâce. Merci, mon Dieu Seigneur, parce qu'au milieu de nous, il n'y a aucun indigent, parce que nous pourvoyons. Voyons, Père éternel, aux besoins des uns et des autres. Nous te rendons grâce, ô Dieu, et nous t'honorons, nous te glorifions ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, asseyez-vous. Je vais vous demander quelques minutes. Nous allons accueillir Marie-Jeanne pour les annonces.
Amen, amen. Vous avez été bénis? Amen. J'ai été particulièrement bénie, moi, de mon côté. Amen. Alors, nous allons vraiment remercier le Seigneur. Amen. Pour le message que du Respo Jessia. Vraiment, remercions et applaudissons le Saint-Esprit de l'avoir aussi bien inspiré. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons accueillir les nouvelles personnes. Qui a assisté à ce culte pour la première fois ici à la Mega Church à Serres Paris? Levez la main et levez-vous pour que nous puissions vous accueillir. Amen. Amen. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, mon frère, ma soeur. Chantons tous en cœur pour ton accueil. Bienvenue à la Mega Church ACER. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, mon frère, ma soeur. Chantons tous en cœur pour ton accueil. Bienvenue à la Mega Church ACER. Amen, amen. Alors soyez les bienvenus à notre Mega Church qui s'appelle l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir parmi nous. Alors, si vous avez déjà une église, transmettez nos meilleures salutations à vos responsables. Et si vous n'avez pas d'église, considérez celle-ci comme étant la vôtre. Amen. Alors, veuillez vous asseoir. Vous allez voir en face de vous, sur le dossier du siège devant vous, vous avez des fiches. Alors, merci de remplir ces fiches et de les remettre à la fin du culte à l'hôtesse pour que nous puissions avoir une trace de votre passage. Également, bienvenue à tous les internautes qui se sont connectés pour la première fois à notre culte. Soyez également les bienvenus et je vous invite à envoyer un mail à iaa.acrp@gmail.com et nous vous ferons un plaisir de vous contacter par la suite. Ensuite, alors, est-ce que cette semaine ou aujourd'hui, vous avez fêté votre anniversaire? Amen. Levez-vous joyeux alors. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, excellent anniversaire, vraiment bénédiction débordante pour votre vie et profitez de votre journée. Également, nous fêtons aussi l'anniversaire aussi de Patrice Compère, Papa Patrice, responsable de la logistique, qui est mon mari, n'est-ce pas? Et également Marisa Ferté, qui est responsable de la sono et conductrice de louanges chez les porteurs de réveil. Amen. Alléluia. Également, joyeux anniversaire à tous les internautes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine ou aujourd'hui. Soyez vraiment bénis abondamment. Amen. Donc, votre attention, s'il vous plaît, pour les trois annonces qui suivent. Showman. Mais que dans le secret de l'intimité, tu sors tout autant showman. Pour trembler, on est beaucoup de prosténes. Même quand l'environnement est hostile, on a le profil qui les rend dociles. Chez nous, la limite, si tout est possible, je parle pas d'un coup de fil. Quand on parle d'appel qui nous vient du ciel, on parle pas d'un coup de fil. Que j'y appelle les gars. Pépé, pépé, pépé. J'ai la science, j'ai la foi, j'ai le shalom. Et mon alliance est éternelle. Pour moi, il a pris une peine. La chair, le monde, le diable. Voilà être un nom de mes hops. Je suis sur la montagne depuis ten au club. J'arrive comme Moïse, je pars comme Enoch. Pour qu'il vive à jamais. C'est ton amour qui m'a pardonné. C'est grâce à cet amour que je suis racheté. Je ne veux plus m'en aller. Tu chantes ça, je te l'ai dit combien de fois. Tu gâches ton talent pour ça. Mais si je le fais c'est pour papa. Tu chantes pour un fou Dieu toi. Mon frère je prie pour toi. Ton Dieu mort sur une croix là. Il est mort pour des gens comme toi. Mais au fond t'as pas dit.
suis le pasteur Daniel Vindini et j'ai la joie de vous annoncer que je serai le samedi 6 avril en région parisienne. J'interviendrai à partir de 18h dans le cadre de la convention ZCN, Foi et puissance, organisée par les ministères ACER. L'événement se tiendra au 16 avenue de Saint-Germain à le port Marly. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Alors je vous invite d'ores et déjà à prendre votre place pour vous et vos amis. Ne manquez pas cet événement extraordinaire. Vous pouvez vous inscrire sur la page Instagram de ACER Paris. Venez nombreux et venez avec la foi. Je vous promets de déverser toute l'onction de mon ministère, de prier pour les malades. La gloire de Dieu sera là. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Aidez-moi à accueillir le responsable Alexandre qui va nous donner une annonce. Bonjour à tous, vous allez bien? Très bien, est-ce qu'on peut commencer par acclamer s'il vous plaît pour l'apôtre Alain Patrick Tsengue Tsengue et le pasteur Paulette Tsengue Tsengue? Alléluia. Très bien, gloire à Dieu. Alors, je pense que vous avez pu voir les vidéos. Est-ce que vous savez ce qu'il se passe le 6 et le 7 avril? Il se passe quoi? La conférence Foi et puissance, exactement. Et justement, mon intervention est dans ce sens parce que j'aimerais vous poser une question. Qui ici n'a pas encore pris sa place pour l'événement? Bon, qui a pris sa place? Levez la main. Ok, je vois qu'il y a des mains qui ne sont pas encore levées. Alors j'aimerais juste sensibiliser tout le monde ici présent à bien prendre votre place pour l'événement le 6 et le 7 avril. Et je vous invite également à prendre votre place à toutes les sessions si vous pouvez être disponible. Ce n'est pas limité à une seule session, vous pouvez le faire, vous pouvez vous inscrire à toutes les sessions. Donc la session à 13h, la session à 18h et la session du dimanche à partir de 10h. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris leur place, je vous invite tout simplement à vous rendre sur Instagram, à aller directement sur la page Instagram de l'ACER Paris et à cliquer sur le lien en bio, là où vous pourrez directement prendre votre place pour l'événement. Amen. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc je vous invite vraiment à prendre votre place, n'hésitez pas, n'oubliez pas de le faire, ça va être un événement historique, c'est l'événement de l'année pour la Mega Church. Donc vraiment, soyez présents, prenez votre place et recevons de la part de Dieu. Amen. Merci à tous pour votre attention. Est-ce qu'on peut acclamer l'officiant du jour? Alors, dans la suite de nos annonces, le 23 mars, qu'est-ce qu'il va y avoir, à votre avis? Sortie d'évangélisation, amen, dans le but d'inviter un maximum de personnes à la convention Foi et Finances. Amen. Donc, restez connectés à vos différents forums pour plus d'informations. À l'extérieur, les livres de l'apôtre et ceux du révérend Francis-Michel Badinga sont disponibles au pôle livres. Amen. Donc n'hésitez pas à faire un tour à la fin de ce culte. Évangile TV a aussi le plaisir de vous présenter le concert Gospel en scène. Amen. Le vendredi 29 mars à partir de 19h ici à Montreuil avec la participation de nombreux artistes. Une session d'open mic également pour ceux qui veulent montrer leur talent dans le rap et dans le chant est proposée. La billetterie est déjà ouverte sur WizEven et l'entrée est au prix de 20€. Nous vous encourageons à vous abonner au compte Instagram de Gospel en scène et vous trouverez le lien, n'est-ce pas, à la fin de la réservation dans le bio du compte. Amen. La Mega Church vous informe également de l'ouverture de la mission ACER Rouen sous la supervision du pasteur Syriac. Donc, les groupes de réveil ont déjà lieu. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui habite à Rouen ou aux alentours, merci en tous les cas de leur faire partager cette bonne nouvelle. Amen. N'hésitez pas également à vous abonner au compte Instagram de la mission ACER Rouen. Et si vous avez des proches à Rouen, comme je vous ai dit, invitez-les en masse. Alors, le département social a une bonne nouvelle également à vous annoncer. Donc, dans le cadre du séminaire Foi et Finances, le département social sera présent pour la vente et de très bonnes choses à manger, je le sais,
parce que j'ai travaillé au pôle social. D'accord ? Et nous vous annonçons l'ouverture des précommandes que vous pouvez réaliser via le site sur Ebenezer. Amen. Ebenezer Paris. Sur la page Instagram. Vous allez le faire, n'est-ce pas ? Amen. Vous allez vraiment le faire, je vous encourage à le faire. Et sachez aussi que le fait d'acheter à Ebenezer, ça permet aussi d'avoir de l'argent pour les distributions, etc. Donc vraiment, je vous encourage à le faire. Amen. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous, n'est-ce pas, avec les pasteurs de la Mega Church à Serre Paris. Je vous demande d'applaudir Pasteur Paulette, accompagné par Pasteur Estienne Toutoumé, Pasteur Isaac Ntoutoumé, Pasteur Syriac et Pasteur Augustin Dadier. Vous pouvez également envoyer un mail pour prendre rendez-vous à l'adresse suivante acerparis.pasteuravecunes@gmail.com. Amen. Vous avez bien tout retenu? On peut passer à la suite? Alors nous allons nous lever, n'est-ce pas? Et nous allons prier ensemble. Amen. Merci Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta présence. Nous voulons vraiment te remercier pour la bonne nourriture que nous avons eue ce matin au premier et au deuxième culte. Nous prions, Seigneur, d'être émondés afin de porter le meilleur manteau, un manteau princier, un manteau d'humilité, un manteau d'intégrité, un manteau de faveur, un manteau de gloire, un manteau de privilège, afin de porter du fruit, un bon fruit, et d'être ce disciple et ce berger selon le cœur de Dieu, selon ton cœur, Père. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous aujourd'hui et tout au long de cette semaine. Et le peuple de Dieu dit amen, amen, amen. Aimez-vous sans modération. Soyez élégante. Soyez radieuse. Soyez vous. Soyez Blomana. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV. Explorez de nouvelles possibilités, découvrez de nouveaux horizons, allez à la conquête de nouvelles villes, de nouveaux pays et continents. Optez pour Travel Advantage. Accédez à des milliers de destinations différentes et offrez-vous des séjours de rêve en adhérant à Travel Advantage. Profitez dès à présent de tous nos tarifs préférentiels via le QR code ci-dessus. Travel Advantage, la solution voyage.